Bonjour à tous et bienvenue sur ce let's play de Vandal Earth 2. Nous devions escorter Prato. Ouais. On est au. À Fort Justa. C'est parti. Défaite de Godo, le grief. Dans cette bataille, c'est la première fois qu'on a un boss. Alors, que feras-tu une fois arrivé à Forgusta? La brigade des White Dragons y est cantée. Le baron Prato en reprendra les commandes et nous l'emmènerons. Plus un pas, vous n'irez pas plus loin. Qui sait? Godo le grief du trio d'assassins de la reine mère d'Agatha. Baron Prato, vous auriez dû rester à l'est. La reine mère ne veut plus vous revoir. Grâce à moi, il en sera ainsi. La reine mère n'aime pas le baron. Pourquoi le tuer, c'est trop. Vous permettez, nous ne sommes que des guides à la solde du baron. Nous n'avons rien à faire ici. Laissez-nous en paix. T'es vraiment pourri. Ne l'écoute pas, n'hésite pas à les tuer tous. Et voilà. Bon, go. On a plein de monde ici. Sont 8. Allez go. Alors, toi tu peux faire quoi?
peux avancer. Je vais faire des 3. Alors, 1, 2, 3. Ah non. Il va sûrement aller sur le côté, lui. Non, qu'est-ce que je peux pas. Il va sûrement jouer.
fait quoi? Je peux rien faire, il y a que lui qui peut faire quelque chose. Bah sûrement essayer d'avoir l'autre lui par le côté. Et toi? Donc ça va être lui qui va jouer. Il va m'attaquer par derrière, sûr. Oh mince, il utilise la magie. Il est allergique à quoi lui? Vent et Starfall. Okay. Tourne le dos. Thank you.
quoi tu jouais avant, toi? Bon, il va y avoir des morts sinon. Voilà. Là. On va avancer. Alors, si j'arrive à tuer Godot en premier, normalement, ça devrait bien se passer.
pu aller où? Là. Attends. Viens là. Ouais, je suis à plus de la... Alors normalement il va jouer. Il va, à mon avis, il va avancer. La personne, si il y a lui. Un petit coup de magie. Il fait bien de jouer à Chicago. Ah, ok, ok. Ouais, il va essayer de tuer le héros à mon avis.
Allez, fini. Ah, c'est pour ça. Si normalement, il est mort. Sur un éclair. Je vais faire un bifle là. Ah, je te laisse cette victoire, mais je me venge pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu es de l'Ouest, pourquoi l'Ouest te traque-t-il? Tais-toi, Pike. À quoi ça sert? On les amène à Frankenstein, nous paye et au revoir, Louis. Ouais, peut-être, mais. Bon, écoutez. Mais bon. Ça va, tout a commencé quand j'ai découvert des informations cachées par la reine mère. Lugor, la capitale est passée. À l'est, il y a 7 ans, la famille royale s'est enfuie à Gardo. Dans la confusion, le. Jeune roi France a disparu. Nous avons entendu récemment qu'il était en vie, otage dans la mini prison d'Est. J'en ai immédiatement fait part à la reine pour organiser sa fuite. Mais elle a rejeté mon plan et essayé de me détruire. Pourquoi? Parce que c'est elle, la reine mère, qui a fait incarcérer le roi Franz. Et son propre fils, pourquoi? L'ambition d'Akata est de rejoindre le Twin Empire. Elle voulait que l'Empire fournisse un roi, mais Franz l'a gêné. Voilà pourquoi son fils essaie de trop. Ouah, c'est terrible. Ils sont beaux, les princes. Mais pourquoi nous dites-vous tout ça? Disons que j'espérais que. On vous aiderait à surveiller Franz Niette. Il faut. Elle vaut peut-être pas grand-chose, mais j'aime ma vie comme elle est.
On a perdu assez de temps, allons-y. Atraouez garde haute de celle des urgences du palais. Le ravitaillement et les hommes vont arriver. C'est tout, j'attendais largement plus. C'est ce jour de demi-fort qui fait durer la guerre depuis 7 ans. Pourquoi l'empereur ne nous envoie pas les unités de l'armée impériale? Les unités principales du Twin Empire mettraient fin à cette guerre. Mais votre majesté, c'est impossible. Engager nos unités majeures affaiblirait notre capacité de défense. Silence, qui oserait menacer l'Empire? Il n'y a que nous et le petit état spécial de Nirvadia. Nous devons nous allier à l'Empire pour attaquer les deux autres pays. Oui, nous avons exprimé le souhait de cesser de me dérouter. Votre Altesse, dites quelque chose à cet idiot de bureaucrate. Ah oui, nous comptons sur votre aide. Bien sûr, Votre Majesté. Chère mère, je suis fatigué, ça devrait suffire. Oui, Votre Majesté. On voit qui tire les ficelles. Tu l'as dit au lieu d'acquiescer en silence. La reine mère s'est jetée sur l'envoyant impérial et son manque de soutien. Quelle femme remarquable. En effet, elle a assez de fermeté pour devenir un vrai leader royal. Damnation. Margot Gregor. Ne craignez pas ces langues oiseuses. Tu as entendu? Oui, mais ce n'est pas ta faute. C'est la faute de maman, d'Agatha, la reine mère. C'est ma mère, mais c'est un ogre avide de pouvoir. Quand France est devenue roi, elle n'a pas renoncé au pouvoir, pire. Non, j'ai rien dit, mais surtout, tiens bon. Ne te laisse pas abattre par les critiques vaines, je suis avec toi. Même si c'était un mariage arrangé, je t'aime, moi. Minéa.
Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la suite.